pasteur et missionnaire Alan Rich du ministère Centre Partage. Bienvenue sur centre-partage.com à la page débutant. Je vais parler aujourd'hui de la résurrection. Qu'est-ce que la résurrection dont il est parlé dans la Bible ? Nous vivons une seule fois, comme il est dit dans la parole de Dieu. L'homme ne vit qu'une fois et ensuite vient le jugement dans ce corps. Le corps vieillit, nous mourrons. La Bible dit que quand nous mourrons, le corps retourne à la poussière d'où il est venu et l'esprit retourne à Dieu qui l'a créé. Et un jour, il y aura le jugement dernier, et juste avant ce jugement dernier, il est dit un ange sonne de la trompette, et tous les êtres humains qui ont vécu ressusciteront avec un corps nouveau. C'est-à-dire notre esprit, donc avec l'âme, puisque l'âme c'est la personnalité de la personne, et le corps renouvelé avec un nouveau corps, mais incorruptible, mais éternel. Car actuellement dans la condition où nous vivons, nous avons déjà un esprit éternel à l'intérieur, mais le corps, ce corps physiologique, physique, meurt et va devenir de la poussière. Et au jour de la résurrection, les deux corps, le corps spirituel et le corps physique, Dieu va créer un nouveau corps qui ne pourra plus se reproduire, qui ne pourra plus être détruit. Et d'ailleurs, nous ne serons ni des hommes ni des femmes, car il n'y aura plus de besoin de se reproduire. Et au jugement dernier, comme je l'ai dit dans la session par rapport au jugement dernier, il y aura les justes, non pas par eux-mêmes, mais justifiés par le sang de Jésus, qui vivront pour l'éternité au paradis, et il y aura les injustes, ceux qui ont refusé le cadeau de Dieu, malheureusement, qui auront la condamnation éternelle dans le lac de feu. Donc, personne ne mourra. On vivra pour l'éternité, mais soit dans la paix et la joie auprès de Dieu, ou dans de terribles souffrances, dans le lac de feu, avec le diable et ses démons. Voilà les bases de la résurrection. Je suis pasteur et missionnaire Alan Rich. Je vous renvoie très bientôt dans une nouvelle session pour débutants. Soyez bénis. Au revoir.